Hey, salut à tous et à tous, c'est Eka et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé énormément du coup cette question là. Et d'ailleurs merci à Meki Meki qui vient de s'abonner en pleine vidéo. Mais c'est le début, je n'ai même pas encore commencé à expliquer, il y a déjà des gens qui s'abonnent. Merci, dédicace à toi, tu passes en vidéo mon bro. Alors du coup on a eu énormément la question du coup comment faire les défis de l'été cosmique cette semaine, puisque c'est un nouveau mode de jeu. Donc la semaine dernière on avait le Biozone Wars. Là du coup on a le Pro 100, ok, Pro 100, c'est un petit peu, bah j'ai l'impression que c'est un système un peu de goulag, mais en version il y a masse de joueurs, c'est un peu un Call of Duty, mais version Fortnite. Je vais vous montrer du coup, il y a Bukuni qui vous a déjà fait une petite vidéo pour vous montrer du coup comment lancer la map, jouer avec des gens, faire les défis. Moi je vais vous réexpliquer un petit peu tout ça du coup, parce que j'ai fait l'expérience en jeu, j'ai des petites astuces et aussi du coup j'ai les récompenses devant vos yeux. Et oui, parce que du coup j'ai réussi à faire ça, donc normalement on devait faire en live, mais j'ai eu un gros bug, du coup bah je l'ai fait comme ça. Il faut savoir aussi que je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis en compagnie de Furonix. Coucou. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Voilà, donc sa chaîne YouTube les gens dans la description, 1800 abonnés. Donc en fait là c'est un bug. Tu me confirmes Furo que actuellement du coup t'as 1,2 million d'abonnés, ça? Ouais, tout à fait. J'ai subi le même problème que Gotaga, j'ai été retiré des abonnés, tu vois. Ah voilà, c'est ça. Donc ça c'est un peu con, donc les gens on va essayer de rétablir du coup la vérité. Normalement elle a 1,2 million d'abonnés, là ça y a un petit bug d'affichage. Je vous donne sa chaîne du coup et abonnez-vous. Bon en tout cas les gars, on va tous équiper, on va essayer de montrer ça directement en jeu également. Et je vais vous montrer, donc notamment on va faire un jeu, mais je vais vous montrer du coup les défis qu'il faut faire pour réaliser ça et obtenir ses récompenses. Et également du coup dans quel mode de jeu il faut le faire, parce que vous êtes sûrement plein à vous poser la question comment on lance un Pro 100, etc, etc. Je vais vous tout vous montrer, il n'y a pas de problème. Et les gars, n'oubliez pas aussi que si vous êtes comme Furonix et que vous êtes une michto ou un michtonneur, les gars, actuellement, ça peut vous rapporter de l'argent, parce que sur mon Discord, il y a actuellement 2 concours. Donc vous pouvez, hein, les gars, c'est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Et les gens, il y a donc un concours pour gagner le pack Sable Doré, du coup, avec le pack Midas. Et on a du coup un deuxième concours, on peut gagner actuellement mon skin, donc Ruby Estivante. Donc voilà les potos, vous avez juste à cliquer en fait sur les divers giveaways et vous pouvez du coup rentrer directement dans les concours. Ok, alors les gens, on va lancer directement un créa et je vais vous montrer du coup pour lancer la map 1. Alors du coup les potes, ça y est, je suis dans le mode créatif. Alors vous pouvez voir, il y a sûrement d'autres modes ici, donc mode populaire. Il me semble que j'avais vu une map de Pro 100. Voilà, regardez, voilà, on a cette map là qui est donc populaire. Donc si vous voulez pas vous faire chier à mettre un code de map, etc, vous avez directement la map Pro 100 ici dans les modes populaires, ok. Mais personnellement moi je vous conseille cette petite map là qu'on a testée du coup en live, etc, et qui marche très très bien et qui est sympatoche. Donc voilà le code, du coup c'est 12 34 34 24 et donc 13 88. Voilà les potos, du coup le code de map il s'affiche ici, vous pouvez le prendre et de toute façon ce sera aussi dans la description pour ceux qui veulent le copier-coller. Alors les gars, aussi il y a pas mal de défis du coup sur cette nouvelle saison les gars. Et donc les défis actuellement sur ce mode de jeu, c'est réanimer des coéquipiers du coup dans Pro 100, donc il faut faire 20 réanimations. Je vous conseille d'être 3 joueurs, ok, d'être 2 personnes dans votre groupe ainsi qu'un adversaire, éventuellement que ce soit des amis, vous lancez ça en créatif. Et du coup en fait il y a un gars qui va tout simplement tuer de vos alliés, vous allez réa en boucle, etc. Parce que vraiment réanimer actuellement dans le mode de jeu en matchmaking, c'est pour moi impossible, c'est ultra dur. Merci Gozrader pour l'abonnement. Voilà, merci, merci encore Monsieur Robot pour l'abonnement. Mais vous êtes des fous aujourd'hui. Alors on a un autre défi aussi, c'est infliger des dégâts à des joueurs avec un lance-roquette. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué de réanimer, parce qu'en fait les gens vont rush du coup l'obtention du lance-roquette, et du coup ça va fuser, il y aura des roquettes partout, il y aura que ça. Et du coup pour réanimer quelqu'un dans des conditions pareilles, c'est impossible.
Donc vraiment, je vous conseille, si vous voulez faire ce défi rapidement, c'est d'aller en créer avec des amis, 3-4 amis, et vous faites ça, vous arrangez pour faire derrière en boucle, parce que sinon c'est vraiment impossible les gars. Et du coup, obtenir des pièces donc dans les objets de distributeur, donc acheter des armes grâce aux pièces, ok. Et du coup, je vais vous montrer tout ça directement dans la map pour faire ça rapidement, ok. Et voilà du coup les potes, ça y est, on est en jeu directement avec Furonix, alors que ça se présente comme ça, vous voyez, on est chacun donc dans son camp, elle est là-bas donc sur le camp opposé, ok, vous arrivez ici et vous pouvez du coup descendre directement les petits escaliers et là en fait on a pas mal de distributeurs. Alors il faut savoir qu'à chaque kill que vous allez faire, chaque kill va vous donner l'équivalent de 50 à 100 pièces d'or, ok. Moi je sais que ça c'était bizarre, mais quand j'achevais quelqu'un et que du coup je tuais son cadavre, ça lui donnait 100 pièces, et quand je jouais, je tuais juste, ça donnait 50 pièces. Du coup ça varie un petit peu. On va essayer, je peux te tuer. Vas-y. Voilà, voilà, par exemple, regardez, voilà, ça m'a donné 50 pièces, mais techniquement, si vous êtes à plusieurs et que la personne du coup est morte et du coup en train de ramper et que vous achevez son cadavre en train de ramper, ça vous donnera du coup 100 pièces normalement, ok. Donc petit à petit vous pouvez du coup acheter les pièces qu'il y a ici dans les distributeurs. Alors vous pouvez acheter ce que vous voulez, sachant que le Rocket est à 360 pièces et que le défi Rocket, hein, je vous rappelle qu'il y a 1000 dégâts à faire avec le lance-roquette, hein. Du coup voilà, vous pouvez d'ores et déjà acheter directement en priorité le lance-roquette, hein, et du coup acheter les petites armes que vous voulez petit à petit. Alors moi je sais que j'avais un bug, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, dites moi dans le commentaire, mais je sais que j'avais acheté deux fois du coup la SCAR, ou deux fois le minigun, ou deux fois, tu vois, et en fait quand t'achètes deux fois la même arme, ça te compte pas comme achat deux fois en fait dans le distributeur. Je sais pas si c'est un bug qui vient de moi parce que j'avais énormément de bugs à ce moment là ou si c'est un bug jeu, mais je vous conseille par précaution d'acheter des armes différentes à chaque fois dans les distributeurs. Il y a suffisamment d'armes, il y a suffisamment de choix, vous pouvez quand même avoir pas mal de trucs, sachant que on a des pièces ici qui coûtent beaucoup moins cher, notamment 150 de gold. Donc voilà, faites bien votre choix et vous pouvez faire rapidement vos défis, ok. En tout cas, les potos, moi je pense que j'ai dit tous les défis, je vous ai donné un petit peu les conseils, etc. Sur ce, bah, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne de Furonix. Est-ce que tu as un mot pour vanter ta chaîne là en deux secondes là? Panique. Tu dois juste dire, hey, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'elle est trop bien. Ouais, ma chaîne, parce que je fais les vidéos plus vite que lui. Je fais mes vidéos avant les cartes. Ah, salope! Bon, ça mérite quoi, les gars? Ça mérite, je la tue. Voilà, ça part au goulag. Voilà, allez, salut. Allez, du coup, bisous, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et celle de Furo. Mettez le code créateur Bokuni dans la boutique pour vous soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Et puis, c'est tout. Bye bye. Tu sais que chanter alors que je suis en rec, c'est un risque vraiment dangereux pour toi, là. Ça, c'est un risque, à la fin de la vidéo, ça finit en best-of. Oh non, de pas tiré. Si.